Je me suis baladée autour de Saint-Gilles, entre les vignes des Costières de Nîmes et la Camargue gardoise. La journée a commencé par la découverte d'un élevage de taureaux et des traditions camarguaises au cœur d'une manade. Ensuite, j'ai visité le magnifique château d'Espéran, où est conservée la plus importante collection de microfilms et d'images numériques des archives de France. En rejoignant la ville, je me suis promenée sur le port qui longe le canal du Rhône à Sète. Le cœur de ville possède un patrimoine riche, à commencer par le musée de la maison romane, particulièrement bien conservé. L'abbatiale renferme dans sa crypte monumentale le tombeau de Saint-Gilles. Elle est d'ailleurs classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.